Dans le cas de la chute libre, nous lâchons un corps à l'instant t égale 0, et alors la distance parcourue par ce corps est forcément une fonction du temps. Fonction du temps qui doit vérifier cette équation différentielle. Puisque la dérivée seconde de la position par rapport au temps, c'est l'accélération du mouvement, et cette accélération doit être égale à l'accélération de pesanteur, 9,81 mètres par seconde au carré en Belgique. Nous cherchons donc cette fonction du temps x de t qui vérifie cette équation différentielle. Ben partons de l'équation différentielle. Si la dérivée seconde de x par rapport au temps c'est g, c'est que la dérivée première de x par rapport au temps, ça doit être la primitive de g dt à une constante additive près. Primitive de g dt, c'est bien sûr gt, donc la dérivée de x par rapport au temps doit être égale à gt plus une constante, dont nous déduisons que la fonction x même doit être une primitive de cette somme. C'est-à-dire, la fonction x même doit être égale à gt carré demi plus c1 fois t plus une constante arbitraire. Ainsi, nous avons trouvé cette fonction x qui vérifie cette équation différentielle. Mais nous savons que, à l'instant t égale 0, la vitesse est nulle, puisqu'à ce moment, nous lâchons le corps. Donc, la vitesse à l'instant t égale 0 doit être nulle. Oui, mais la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Et cette dérivée par rapport au temps à l'instant t égale 0 doit donc être nulle. La vitesse initiale est nulle. Mais dx sur dt, c'est gt plus c1. Et par conséquent, le g fois ce temps 0 plus c1 doit être nul. D'où nous déduisons que la constante c1 doit être égale à 0. Donc, nous savons que la fonction x de t doit être égale à gt carré demi plus 0 plus c2. Mais à l'instant t égale 0, la position est également nulle. Donc, le x de 0, c'est égal à 0. Autrement dit, si là-dedans, nous remplaçons le t par 0, nous devons trouver 0. Ce qui signifie donc que gt carré demi plus c2 en t égale 0 doit être nul, dont nous déduisons de suite que c2 doit aussi être nul, comme c1. Donc, la solution générale de cette équation différentielle munie des conditions initiales, c'est x est égal à gt carré demi plus 0 plus 0. Autrement dit, la fonction que nous cherchions, c'est x de t est égal à gt carré demi.